Putain, Jekyll n'est pas un mauvais gars, dans son état normal, sûrement comme toi et moi. Ouais, personne lambda dans la foule effacée, mais son problème, c'est son sinistre secret. Ce n'est pas un vampire ou encore un loup-garou, c'est un secret fréquent, un des mots de notre temps. Comme pas mal de gens qui s'alcoolisent hors limite, notre bon docteur réveille les démons qui l'habitent. Docteur Jekyll et Mr. Hyde, l'un débarque quand l'autre finit sous la table. C'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde, pas né d'une éprouvette mais plutôt d'un blanc bien sec. C'est Docteur Normal et Mr. Comptoir, l'un vit le jour, l'autre se terre dans les bars. Et quand Docteur Normal s'allume à l'éthanol, c'est Mr. Comptoir qui vient prendre le contrôle. C'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde. C'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Pas besoin d'aller chercher dans la fiction pour voir des monstres sortir des bas-fonds. Va juste promener en sortie de bar tard pour pouvoir croiser de sympathiques cauchemars qui crachent leur âge au hasard. Ouais, l'homme des cavernes de retour au 20e siècle, des fermentations, du distillat de Hyde sans modération. Jekyll et Mr. Hyde, l'un débarque quand l'autre finit sous la table. C'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde, pas né d'une éprouvette mais plutôt d'un blanc bien sec. C'est Docteur Normal et Mr. Comptoir, l'un vit le jour, l'autre se terre dans les bars. Et quand Docteur Normal s'allume à l'éthanol, c'est Mr. Connard qui vient prendre le contrôle. Et c'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde. C'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Docteur Normal et Mr. Comptoir, l'un vit le jour, l'autre se terre dans les bars. Et quand Docteur Normal s'allume à l'éthanol, c'est Mr. Comptoir qui vient prendre le contrôle. C'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde. C'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Voilà. Bon, personnellement, j'avoue que c'est une de mes auto-coups de cœur, celle-là. Merci.